Salut, on vient d'arriver. On vient d'arriver. On vient. Tu veux que j'aille chercher les micros? Non, c'est bon. Ok, ça marche. Bon. Alors du coup, je sais pas si on nous entend bien, mais on vient d'arriver à Charlieu. Pour la deuxième année. Voilà, la deuxième année consécutive, on va se faire Charlieu. Et on n'a pas eu trop de chance parce qu'on s'est tapé la pluie sur la route et là pour l'instant il pleut mais ça devrait se lever. Donc là on prend un petit café. Mais avec les petits croissants qui allaient bien. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. On a fini. Et j'ai de la chance, la voiture elle n'a pas cassé. On a la pluie mais j'ai contrebalancé avec le fait que la voiture elle n'a pas cassé. Ouais, en fait nous c'est où il fait beau il nous arrive une couille, où il fait pas beau et à ce moment-là on roule tranquille. Voilà c'est ça. Donc voilà. Enfin il roule tranquille. Donc on est arrivé en avance à Charlieu pour qu'on puisse avoir nos petites places attitrées. On avait parlé à l'organisateur juste avant qui a été très gentil de nous accueillir. On est venu à 3 voitures. Vous le verrez plus tard, on a la tipeur rouge, on a qui est soutenu avec nous. Et du coup. On vous les filmera un peu plus tard dans la vidéo. Dans la journée. On va rester toute la journée ensemble. Voilà, on espère que vous allez profiter de la journée autant que nous. Et puis. On espère qu'on va pouvoir profiter. On va pas rester à l'abri là-dessus. On va pas rester à l'abri, hein. Le café là-bas, ici. Là. Et puis, on se voit tout à l'heure. On est obligé de s'abriter parce qu'il pleut, vous voyez les gouttes derrière nous. Les deux voitures, elles étaient propres, maintenant elles sont sales. Oh, on vient d'essuyer les vitres, il y a une autre radée qui vient de tomber. Ouais. Tes valises sous les yeux. J'avoue, t'as une sale gueule. Ouais, mais je dors pas à un moment donné. Attends, on s'est levé tôt ce matin. Ouais, mais pas tout ce matin, lève-toi vite. Toute ma vie. Du coup, voilà, on attend qu'il arrête de pleuvoir, puisqu'il y avait des belles voitures qui étaient arrivées, mais bon. C'est joli, il y a la baie derrière. Faut qu'on... Moi, j'aurais... c'est vrai qu'on a une belle vue. Si on enlève la tonnelle, il y a moyen qu'on ait une belle vue. Et là, juste là, non, pardon, juste là. Ouais. Il t'a merdé, Brian. Juste là, il y a la vue. Il y a la mienne. C'est la plus belle sienne. Qu'on voit. Ça. Ouais, et là, il y a la mienne. Enfin voilà, bon bah écoutez, hein, j'espère que la vidéo elle vous plaît. Hein. Ah ouais? Parce que nous on passait une journée fou furieux à cause de cette pluie de merde. C'est con parce qu'on a l'organisation qui est géniale, mais le ouais, mais année, là le temps par rapport à l'année dernière il est dégueulasse. L'année dernière on a cramé, aujourd'hui bah, on va mouiller. Moi je vais aller m'acheter des gâteaux après. Parce que vous savez, je vous avais vu dans la première vidéo. Elle va dans la boutique à sucre. Et là, bah, cette année, moi, elle cette veut année, faire je pareil. Acheter. Elle va acheter dernière, des sucres. Je vais pas acheter, mais cette année, je vais acheter. Vous allez voir peut-être un extrait de la vidéo, là, quelque part dans le coin, dans notre tête. Vas-y, là. Mets-moi une claque. Ouais. Chez moi. Alors, qu'est-ce que tu prends aujourd'hui? Des gâteaux. Bonjour, Patrick. Ah, des gâteaux. Alors, sablé, pépite, chocolat. Ouais. Allez, non, je suis pas fan. Ou des cookies chocolat et noix. Cookies chocolat et noix, c'est bien. Sablé nature. Je crois que je vais prendre. Normalement, je préfère les sablés, mais je crois que je vais prendre. Un sablé nature et un. En plus, c'est le dernier aux pépites de chocolat. Pépites de chocolat.
Ouais, tu veux un truc toi? Non, non, moi je veux rien sans manteau, c'est pas trop mon délire ce truc là. Moi j'aime pas. Est-ce que tu peux tenir ça? Oui, je vais tenir la deuxième table. Hein. Ça c'est bon? Non, ça je suis pas trop fan de ça. Oh, les confitures. Même en ce moment je mange pas de confitures. On a beaucoup de choix de confitures. C'est quoi ça? C'est ta gueule ça. Je l'ai pas dans les poches. Hein. Donc là, je suis en présence de Joanne Rivière, et de Charlieu d'ailleurs. C'est ça, exactement. Voilà, qui va nous présenter son garage. Et avec quoi tu es venu aujourd'hui du coup? Alors, bah, du coup, je suis venu avec une Mégane 4RS Trophy-R, donc numérotée à 500 exemplaires. Ouais. Voilà, et je suis venu avec une très belle R5 Turbo 2. Voilà, donc tu es venu avec. Un modèle plus ancien et un modèle plus récent. C'est ça, exactement. Il y a des véhicules assez particuliers, pour ainsi dire. J'ai trouvé que le choc des générations était pas mal. Oui, c'est vrai que ça fait du bien de voir un petit peu de tout. Et du coup, à ton garage, du coup, présente-nous un peu qu'est-ce que tu fais exactement. Alors, je fais entre autres de la recherche personnalisée, alors notamment sur du véhicule ancien, voilà, ouais. Et de la sportive. Voilà, donc c'est vraiment ma gamme de véhicules. J'ai aussi bien, ça va de la Lotus à la Renault Sport, à aussi bien, ça peut être de la Cadiane. Enfin, c'est vraiment tout type de budget. D'accord. Et je fais du dépôt-vente. Donc, j'aide les particuliers, notamment, à vendre leurs biens comme un agent immobilier, en quelque sorte, et je m'occupe de tout. D'accord, très bien. Donc, okay, merci Joanne pour cette présentation. Merci, merci à vous. Donc, n'hésitez pas à le contacter si vous avez besoin. Tu as peut-être un compte aussi Instagram? Voilà, j'ai un compte Instagram, donc Rivière Automobile, et une page Facebook, voilà, où j'ai pas mal d'abonnés. Donc, je fais régulièrement de la publication. D'accord. Aussi bien des stories que des publis. Donc, n'hésitez pas à me contacter, avec plaisir. Voilà, et merci, si vous avez besoin de ces services, avec plaisir, c'est avec plaisir. Merci la Service Family. Belle voiture qu'on est ravis de retrouver. Voilà, on est sur la sélection de la voiture. Un magasin d'espadrilles. On écoute des bons sons là aussi derrière. Hein. Les espadrilles. Salle ouverte à fond, des vitres d'échappement direct. C'est moto ou ta tête hein? On voit la tienne aussi. Putain, je suis zoomée. T'es vilaine, hein? Hein, t'es vilaine. On me voit filmer. C'est la fine équipe. Et on a les deux zigotos derrière? Bah ouais, regarde. Ah, on a les deux zigotos derrière. Les mains dans les pockets. Les mains dans les pockets, hein?
Ça, tu sais que je regarde jamais au bon endroit. C'est le réticule qu'il faut regarder. J'adore tous savoir qui vous êtes, pourquoi vous achetez ce type de voiture. On est personne. Notre banc, il est là. C'est plaisir, vous avez vu, trouvé aussi. Parce que ça, comment on fait? Quoi? Est-ce qu'en même temps que je filme, tu veux tourner la vidéo? Non, on peut pas tourner. Ah. Faut que t'arrêtes et que tu filmes. Que je recommence. D'accord. Je crois pas. Faut voir, appuyer plusieurs fois. Ouais. Non. Ah, Brian, ça marche pas. Putain, tu sais que je regarde pas au bon endroit. Tu, ouais. Tu vas. C'est l'écran que tu regardes. Tu vas mettre sur la vidéo, la meuf, elle parle à elle-même, je crois. Elle parle à un écran. Ah, ça me fait briller le front. La lumière, voilà. On amène un peu de soleil. Ouais. Alors, pour ceux qui ont vu Charlieu l'année dernière, vous vous rappelez de ce toboggan? On vous met un petit extrait là-dessus. Il a failli me foutre le doigt dans l'œil. Cette année, on ne pourra pas faire le mythique toboggan. On a besoin d'un cul pour essuyer le toboggan. On a besoin. Alors, si vous avez un baignoire ou quelque chose pour essuyer, eh bien, il faut essuyer le toboggan qui est ici, là. Et comme ça, on pourra glisser. Mais là, cette année, malheureusement, on ne pourra pas glisser sur ce mythique toboggan du Seigneur. On va l'appeler le toboggan family. Ah, je viens de faire une gueule. T'as fait quoi? T'as louché? Bah non, tu verras. Ah, ok. Sur ce, on continue la vidéo. On est beau, chef. On est bueno. Camping, les gars. Là, derrière la miniature. Par buffet. Il y a de la place. Et ouais, et là, on sera on bien. On va se cacher. Ce sera un pec, tu vas voir. Déménage mon la pauvre, maison. Là, si quelqu'un nous dégote là-bas dedans. Regarde-moi ça. Regarde. Oh, bah là, on aurait pu. Ah, mais moi, je veux trop acheter. Regarde, on se met là. C'est trop beau. Là, ici, là. On a la brique de tout regard. Pépite, les gars. Tu veux te mettre dans le coin sous l'arbre alors que là on peut ne rien avoir. Parce que l'arbre il va nous pisser dessus. Hein. Ouais, il y a 3 gouttes. Toi t'aimes bien les 3 gouttes et demi. On installe la table. Alors on va faire un aménagement. On va aménager. Alors, attends. Mais c'est vrai qu'on est bien là. Hein. Bah oui, là on va être planqué là, mon pauvre. Ça monte. Ouais, grave. Ah, on a prendre des boules de pétanque. Moi j'ai un jeu dans la voiture. Mais j'en ai que 3. Bah, je t'ai dit un sabouleux. Installé pour manger, les gars. Table. Ouais, on n'a pas encore pris la table qui va bien. Ah. Ça va, vous êtes bien installé? Ah, écoute, on est au calme. Regarde-moi. Comme t'es blasé. Faut que tu me fasses un plan. Ouais, c'est beau là. Ah. Je vais faire le plan. Non mais, j'ai pas filmé là. Action. C'est bon là. We'll be right back.
Ça, c'est ma voiture, regardez, pour ceux qui connaissent. Je crois que, ouais, en plus, elle est un peu artiste. La voiture. Oh, voilà. Hein. Voilà, nous arrivons sur la fin de la vidéo. Qu'as-tu pensé de cette petite journée bien remplie en pluie? Bien remplie en pluie, ouais, on a perdu une moitié de journée avec la pluie. Là, le soleil il est enfin sorti, on a pu se découvrir, c'est plus agréable. C'est 15h30, je ne sais plus quelle heure il est, ça doit être 15h. Ah, c'est 15h et le soleil est enfin revenu. Et vous savez quoi? Juste pour vous faire plaisir, on va refaire du vous toboggan. Avez vu, le toboggan il est sec. Tu commences? Ah, allez, c'est parti. J'attaque. On va faire un petit toboggan. Alors, ronde numéro 1. Ah, tu me fais passer en premier pour que je l'essuie au cas bah où. Bah oui, oui, faut essuyer. Toi, t'as une serviette. Allez, c'est parti. Youhou. Voilà, je l'ai essuyé pour toi. Allez, maintenant, ça a été? Il est un peu chaud? J'ai la courroie dans la pluie. Ah, bon, bah alors, mais ça me dit pas si c'était chaud. Allez, je vais vous dire s'il était chaud. Non, il est pas chaud. C'est que moi, faut que je passe là-dedans, moi. Ouais, déjà, moi, c'était galère, mais alors quoi? Oh. Hé, hey, tu l'as essuyé un peu? Regardez-moi, monsieur indestructible. Allez, c'est parti. Donc, je vais mettre tes jambes dehors. Oui, parce que sinon, elles passaient pas. Et sur ce, on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo. Et ma sœur, elle est derrière, je vais vous la montrer quand même. Toi aussi, tu dis au revoir. Immobilier en quelque sorte, et je m'occupe de tout. D'accord, très bien. Et ben, belle présentation. Attends. Ouais. Bon, moi je les ai un petit peu abandonnés, ils doivent être loin derrière. Ouais, on les voit même pas. Bravo en tout cas, merci. Parce que moi depuis ta course, ça allait m'acheter du sucre. Non, j'ai avec à ma petite boutique que j'avais vue l'année dernière. Qui s'appelle la boîte à sucre. Bon, la boîte à sucre est fermée pour l'instant. Le frère, il est en train de vous filmer les voitures là, devant. Moi, je le suis. Comme d'habitude. C'est plus son dada. Ouais. Voilà. T'es inspiré. Hein. Ouais, grave. Ouais. J'aurais mieux fait de rester au fond de mon lit là. Avoir du thé. Ah, c'est en train de se calmer peut-être? Ouais, bah ferme ta gueule. Ah. Enfin, pas trop vite. Ouais. Sa voisine, un nouveau membre de la boîte à sucre. Regardez-moi lui. Qui est juste en bas de la place. Un assortiment de bière artisanale du café de la boulangerie de la rue Bonnette. Un traitement carrossier Teflon chez 314 car en valeur de 190 euros. Donc venez tenter votre chance. 2 euros le ticket Tombola à prendre à la buvette du Cap ou parmi les bénévoles qui ont passé par la gueule, un ticket. Pépite. Bonne chance à toutes et à tous. Tu me filmes, moi? Allez, j'ai dit que je parlais également. Tu m'as demandé la permission. Si vous faites voir l'église. C'est un. Je ne sais pas si mon micro il marche. Juillet 2020. Si mon micro il marche. Avec le 16e exposition de véhicules anciens. Tu m'as demandé la permission. Pas cadré, j'ai pas compris qu'est-ce que tu m'as dit. Hein. J'ai dit, je sais vraiment pas cadrer. À un moment donné, je t'ai coupé la tête. Tu m'as cisaillé la tête. Ça fait du bruit, hein, tu sais. Ouais. Je sens que là, ça fait du bruit quand même. Hein. Ouais. Moi, boum, j'ai boum, faim. Boum, 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 boum. J'ai faim, mange un yaourt. Des biscuits, on va aller chercher des biscuits. Hein. Il l'éteint par contre. Bah, je voulais filmer les voitures, mais c'est compliqué là. Hein, de filmer des voitures, hein. Surtout et la Corvette. Voilà. Là. Comment on appelle ça des... Déjà sur différentes éditions, puis qui nous ont fait le plaisir. C'était la deuxième édition, je crois, c'était il y a deux ans. Ah, je sais plus comment on appelle ça. Et Suzy? Est-ce qu'on graillerait pas un bout là? Ouais, on va aller manger, hein. Ah ouais, hein. Parce que moi ça creuse. Hein. Par contre, le banc il va être trempé. Hein. Bah, on a nos chaises. Bah, mais on a vos culs pour essuyer, non? Tiens, et le toboggan il est là-bas. Du coup, tu prends la rue là? Ouais, en fait, quand on. Si tu fais le tour comme ça, tu reviens aux voitures après. Allez, c'est reparti.
On va repasser devant ma voiture. Ma voiture a deux funesses. Tu filmes là ? Ah oui. Faudra que tu t'y fasses à la caméra. Hein. Ouais, je sais, je suis vilaine. Non, c'est pas la question. C'est pas ça qu'est-ce que je te dis. C'est comme ça au moins t'apprends le cadrage. Tu sais qu'il faut que ta tête elle soit dedans. Oui, mais je suis dedans là. Ah, c'est bien, t'es bien cadré là. Ouais, on va dire ça, ouais. Ah d'accord. Nous verrons bien. On espère que... Ah, oh, mais pourquoi t'as fait foie? C'était très grave. Bien. Action. Ouf, j'ai cassé ma casquette. Allez. Alors, on espère que cette vidéo vous a plu, malgré la pluie et tout le bordel. La et tout pluie et le va beau bien. Temps. Voilà, la pluie et le beau temps. Après, on fait les guignols, on essaie de compenser un peu, hein, c'est pareil. Hein. En tout cas, voilà. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, ça nous ferait extrêmement plaisir. On a pris... Voilà. Attends, je recommence. Voilà, ta mère. On espère que la vidéo vous a plu malgré tout. On a eu beaucoup de pluie, on a essayé de compenser en faisant un peu les cons, comme d'habitude. Hein ? Voilà. Mais si c'était pas la Sirius Family, si on n'était pas cons. Voilà, si on n'était pas un peu teubés. Sur ce, abonnez-vous à notre chaîne, abonnez-vous à notre Instagram, et puis on se dit... à bientôt.